ça marche bien, il faut qu'on se débarrasse du Chingalayo. Tiens, c'est toi qui dois jeter. Non, c'est toi. Pourquoi moi? Tu es la grande sœur. Et? Tu es censée nous protéger. Là, si on m'attrape, c'est moi qui écope, n'est-ce pas? Ah bon? Donc, c'est moi qui peux écoper. Sache que dans une révolution, il faut faire des sacrifices, même si on te fouette. C'est bien que maman t'aime. Si elle t'attrape, elle ne doit rien te faire. Et puis si elle t'attrape, tu diras seulement que tu joues avec. Ce sera ta part de sacrifice, mon garçon. Tu sais ça très loin. Tu sais de loin. La journée? Alors, ma belle Mengono. Alors, ma chérie, tu as bien passé la journée, toi? Alors, fiston, tiens, ça va? Alors, ma chérie. Ma chérie, oh, oh, ma chérie, oh, ma chérie. Qu'est-ce qui te rend si heureux? Tu veux savoir ce qui me rend si heureux? Oui. Alors approche. Un et deux. Alors envoie ta main. Alors. Ma chérie, oh, oh, ma chérie, oh, ma chérie, oh, ma chérie, oh, ma chérie, oh. Alors ma chérie. Oui. Vous avez regardé le match? Non, non. Quel match? Bamboutos de Boudoua a gagné par 3-0. De ce fait, les prix des avocats vont baisser sur le marché. Mais bonne nouvelle! Qui va pleurer? Alors, fiston! Alors, ma chérie. Oui. Je vais aller me changer. D'accord. Ok. Ma chérie, oh, oh! Ma chérie, oh! Ma chérie, oh! De chez nous! L'enfant, tu m'as déposé de l'eau? Ok. Je vais le faire moi-même. J'ai besoin de faire un peu de sport. Ngono, va servir ton père. Ngono. Je ne t'ai pas demandé d'aller servir ton père. Maman, j'ai mes exercices à finir. Tu vois? Je t'avais dit qu'ils le peuvent. Attends, maman est partie servir. Oui. Non. Bien sûr. Et papa est parti lui-même puiser son œuf pour la première fois. Vraiment. Résistons, ma soeur. Résistons. Plus de travaux de maltraitance dans cette maison.
Bon appétit, chérie. Merci, ma chérie. Tiens, tu veux? Merci, papa. Ok, merci. Gonon, passe-moi le reste de mon vin dans la chambre. Enfin, passe-moi mon vin. Enfin! Papa, je n'ai pas cherché, non? Passe-moi mon téléphone. Je dis à papa. Oui. Tu as mal au pied? Non. Pourquoi? Tu peux aller chercher ton téléphone sans trop m'envoyer. C'est ainsi que tu parles à ton père? Mais maman, si papa n'a pas mal au pied, il peut aller lui-même chercher son téléphone, non? Ne le tue pas.